Et Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur ce nouveau Star Wars. On est sur PS5. Je vous ai passé la petite cinématique au début qui est un résumé de Fallen Order. On va y aller. Qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre comme ça pour la vidéo, puis après je verrai bien de mon côté. Une balise de navigation. Ah, pour la vidéo, on va le mettre. Et puis on verra après ce qu'on fait. Hop, commencer une nouvelle aventure. L'affichage de mon téléphone est très chelou parce que j'utilise pas mon micro habituel là. Excusez-moi, j'ai mis un petit coup de dent d'ailleurs. J'espère que tout va fonctionner, que ça va bien m'enregistrer. Ouais, normalement on joue là. Enfin, pour l'instant. Alors, où se passe l'échange? Pour l'instant, j'espère que le micro marche bien. Mais qu'est-ce qui empêchera le sénateur de prendre notre prisonnier? Pour l'instant on suit, donc on est sur PS5, je me rappelle plus si je l'ai dit. On est en 4K 30 images secondes là. Parce qu'il y a un mode. Il y a un mode performance 60 images secondes. Vous savez qu'en général je mets ce mode là, sauf que là il est dégueulasse. Les textures bavent et tout, il y a un grain chelou, enfin c'est... J'espère que ce sera patché. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux bien que la résolution soit moins haute, mais... Il n'y a pas de raison que ce soit dégueulasse comme ça. Comme des rats dans un labyrinthe. J'aime pas ça. Sur fil blanc,
tout ira bien. Du moment que je me paye. Après, le jeu, en plus, il sort que sur PS5, Series X et PC, donc sur les plateformes les plus récentes et les plus puissantes, avec les technologies les plus récentes, du coup. Donc, bon, c'est quand même un petit peu dommage. Comment dire, c'est un petit peu dommage de se retrouver avec un jeu pas très beau en mode 60 images secondes, quoi. Ce n'est pas ce que dit la propagande. J'arrive pas à croire que je vais rencontrer un sénateur. Ces derniers temps, ils se montrent marrants. Heureusement qu'il fait une exception pour nous. Bien, on a de quoi le faire entrer dans les bonnes grâces de l'empereur. Ouais. Je le vois. Je vous laisse profiter un peu des dialogues. En plus, c'est en VF, donc. Avec leur tronche de bulldog à eux, là. Du calme, officier. Le sénateur s'assure juste que tout est réglé. Laissez-en partir. Je crois qu'à un moment donné, on va s'occuper de leur cul à eux. Il y a les vibrations, tout ça, qui sont utilisées. Là, je sens quand le truc il atterrit et tout. Il y a des vibrations un peu spécifiques et tout dans la manette. Les gâchettes vont être utilisées. Enfin, toutes les particularités de la manette PS5 sont utilisées. C'est aussi pour ça que j'ai pris la version PS5 pour le coup, là. C'est appelé comme ça? Ça suffit. Bah, où vous l'avez trouvé? Au marché nocturne. Il essayait d'acheter une caisse de bombes à électro-proton à un marchand d'armes chagrin. Comment vous l'avez arrêté? Les Jedi ont besoin de dormir, comme nous. Quand le sénateur s'occupera de toi. Ouais, c'est ça. Toujours sympa de rencontrer des fans. On en reparlera, mes petits potes. Bon, bah, après, au début, c'est comme bon, beaucoup de jeux comme ça. Hein. Il faut le temps que ça se mette en place. Donc, je sais pas si on va voir beaucoup de choses. Putain, il a des couilles à la place du menton. Pardon. Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin. Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Que m'avez-vous amené d'autre? C'est déjà pas mal, non? Veillez à ce qu'il soit payé. Ça fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt affaire ensemble. Le Jedi renégat Cal Kestis. Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôt d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté sur Norcy. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur? Des aveux signés? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois, il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterai-je de ceci. Et là, mon pote, si tu m'ouvres la gorge, Jaro Tapal, un traître. T'auras pas tes réponses, mon gars.
et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petits morceaux. Quoi ? Oui, mon pote, hein. Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper ? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Ah, merci, BD. Tu m'as brûlé pour ça. Je vais reprendre ça. Alors, L2. Hop, bon, le gameplay après. Oh. Par contre, j'aimerais bien qu'on me donne la touche pour contrer. Parce que je me souviens plus de tout ça. Il y a la touche pour esquiver. C'est tout ce que vous avez dans le ventre, sénateur ? Sortez, je veux vous parler. Après, j'aimerais bien pouvoir contrer. Ah, voilà. Bon, va falloir que je me reprenne le truc en main et tout, gentiment, parce que là... Là, je prends beaucoup trop de coups, mais c'est le temps que je reprenne tout en main. Hop, alors vous l'avez entendu certainement, il y a aussi le son dans les haut-parleurs de la manette. Donc ça fait partie des petits trucs en plus qui sont plutôt cool. Là, il vient vers nous. Il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite. Tiens bon. Et là, c'est un peu con quand même. C'est dommage. C'était bien joué, mais... Ça fait rien. C'est des choses qui arrivent. Il faut atteindre ce yacht. Hop, on va aller par là. C'est pas passé loin, mon pote. C'est pas ta faute. On rattrapera le yacht. Il va falloir vraiment que je reprenne le truc en main, mais bon. Dans l'ensemble, c'est le même gameplay dynamique et tout, ça se fait bien. Ne vous inquiétez pas les gars. Oh les bâtards, ils sont là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bon, ça c'est descripté du coup. Alors le jeu est plus ouvert aussi. BD1, par ici. Par rapport au précédent, ça va être un jeu plus ouvert. Hop. Finito. Pronto.
Hop là. Quelles que soient les infos que cache le sénateur, j'espère qu'elles en valent la peine. Alors, j'avais pas prévu cette vidéo à la base parce que j'étais vraiment pas sûr de prendre le jeu. Et puis, bon, finalement, je l'ai pris quand même. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Le premier était quand même sympa. On verra ce que ça donne. J'ai vu un peu tout et son contraire jusqu'ici. J'ai pas regardé grand chose, surtout j'ai pas regardé trop de vidéos de choses comme ça parce que je voulais pas voir. J'en ai regardé qu'une seule de vidéo et après j'ai lu un petit peu des tests sans trop regarder d'images. Et je lis d'un côté que c'est comme le premier, machin, enfin que c'est génial et tout. Et je lis de l'autre côté que, par contre, vous m'en voulez pas, je tourne en rond. Et je lis dans le... dans d'autres tests, enfin, j'ai vu dans un autre test que... Bah, en gros... ça ressemblait au premier, mais... où, malheureusement, ils avaient accentué les défauts du premier. Et que c'était pas... le fait d'avoir mis un jeu plus ouvert, par exemple, bah, tout ce que ça amène, c'est les fameuses quêtes annexes un peu FedEx qu'on a dans plein de mondes ouverts aujourd'hui. Et voilà, des choses qui n'existaient pas forcément dans le premier et qui ne sont pas un plus en vrai dans le gameplay ou dans le jeu. Et qui sont plutôt des défauts plus que des qualités. Et donc, c'est un petit peu dommage. Maintenant, voilà, je dis un peu tout et son contraire. Maintenant, c'est toujours pareil. Chacun se fera son propre avis. Hein. Moi, le premier, je dis toujours, quand je donne mon avis sur quelque chose, c'est mon avis. On va pouvoir se reposer ici, mon pote. Il faut que je me concentre. C'est vrai qu'il y avait ça avant, pour récupérer la vie, sauvegarder. Et l'arbre de compétences. Par contre, ouais, ça faisait revenir tous les ennemis. Ah, là, c'est là. Donc, j'ai pas le choix. Faut que j'aille là. Et maintenez triangle pour effectuer une attaque projetée longue portée. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Ok, bon. Même si on nous impose la première compétence, c'est pas mal. On va faire se reposer. Les ennemis sont réapparus, de toute façon j'étais pas venu jusque là pour l'instant, donc on va y aller gentiment, calmement. Ça c'est ce qui a amené, on va dire, un peu de difficulté au jeu précédent. C'était le fait de ne pas pouvoir... récupérer sa vie, sauvegarder, etc. comme on voulait. Fallait vraiment trouver ses points. Ça fait un peu comme les... Comment ça s'appelle, j'allais dire les feux de camp, mais c'est pas des feux de camp dans Dark Souls. Enfin, vous m'avez compris. On perdait les âmes, etc. Donc ça, c'est... Je pense que c'était un endroit... annexe, j'ai l'impression que c'est pas là le chemin. Hop, je vais peut-être, moi de mon côté, couper en deux la vidéo, puis après la recoller au montage. Parce que... j'ai peur, avec ce... ce logiciel-là pour le son... J'ai un peu peur que... qu'au bout d'un moment, en fait, il... Comment dire ? J'ai du mal à trouver mes mots, je suis fatigué. Et au bout d'un moment, quand les fichiers sont trop longs et trop gros, il a du mal à les enregistrer et tout. D'ailleurs. On va essayer ma nouvelle attaque. Bon. J'aurais bien aimé l'essayer. Sans prendre un coup bêtement. Mais bon.
des quêtes annexes, tout ça. Ok. Bon, il y a quelques petits effets sympas. Maintenant, il faudra voir dans les décors un peu ouverts ce que ça va donner sur les décors, justement. Parce que tout ce qui est effet et tout ça, là... Ok, maintenant... Ok. Voilà Lyot. Il dérive toujours. T'as bien raison, BD. On va la voir. Qu'est-ce qu'il dit ? Fallait sauter, mais j'ai pas pu. Ah, mais là, d'accord. J'ai pas eu le temps de tout lire. Ça, sur les effets, tout ça, j'ai aucun souci à me faire. On est sur PS5, c'est Series X, c'est PC. J'en ai pris quand même quelques-uns. Mais après, ouais, c'est surtout les décors et tout ça que je veux voir. Je les vois. Ah ouais, ça c'est cool. Ça, j'ai vu. C'est un des rares trucs que j'ai vu dans la vidéo que j'ai regardé. C'est quelques explications sur le fait qu'on va avoir... du coup plusieurs styles de combat et ça c'est quand même plutôt stylé parce que franchement le double sabre là comme ça il est vraiment stylé. Ça c'est un truc qui me plaît bien, ça permet de bien défourailler. Oh putain. J'ai pas lu là ce qu'il fallait faire. J'ai pas eu le temps. J'ai sauté trop vite. Oh putain. On approche. Tu tiens le coup, BD ? Ah bah lui, je pense qu'il tient le coup. Ne regarde pas en bas. On ouvre la revenue au même endroit. J'ai chié dans la colle là. Hop, merci. On va pouvoir traverser un peu plus sur Edmond maintenant. J'ai chié dans la colle, arrivé là, j'ai paniqué en fait. J'ai eu un coup de panique et j'ai sauté, parce que l'autre il me canardait. Que c'est pas un de nos potes ça finalement. T'en as mis du temps. Ah, tu sais, je me baladais, j'admirais la vue. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Coruscant. Merci Baud, je fais que mon boulot. Kestis, allez, on va avancer tranquillement. Quand j'ai vu le caisse s'effondrer, je me suis dit que ce coup serait vite bouclé. Pourquoi leur faciliter la vie ? Ah ! Où est l'équipage ? On va vers le yacht. On les rejoindra là-bas. Oh, et Bravo a dit pas de radio. Pas de radio. Bravo, c'est ce qu'il fait. Je sais pas ce que ça va changer, mais bon, pas grave. Les Lys doivent être en train de mourir de faim. Les Clatouiniens affamés. Pas une bonne chose. Rappelle-moi de te parler de la mission sur Carida. Attendez les gars, je regarde quand même un peu. On dirait que cette usine a arrêté Lyot. Je crois que c'est gagné.
Pas de canonnière. Ils doivent être en train de semer le chaos. On va pas les faire attendre. Et comment on traverse ? Tu penses pouvoir renverser cette caisse ? Ça vaut le coup d'essayer. Voilà, bon. Et maintenant, comment je l'attrape cette corde? Comme ça, d'accord. Pratique ce jetpack. Rappelle-moi de te raconter comment je l'ai eu à l'occasion. Merde. Bon. Qui t'a appris à bouger comme ça? Mon maître. Chaque fois que je tombais, il me remettait sur pied. Ça m'a l'air d'être un bon prof. Une patrouille de Stormtrooper. On est recherché. Il est bonheur que le yacht, hein? On va regarder un peu s'il n'y a pas des choses cachées. Là, il y a un truc qui brille. J'ai trouvé quelque chose. J'ai droit à la moitié. Là, il n'y a pas moyen d'escalader, donc je pense qu'il faut qu'on descende et qu'on fasse le tour, hein, j'imagine. Non. On se reprend. J'ai dû faire une petite coupure. Je m'en voulais pas. On reprend là. Je vais essayer quelque chose. Parce qu'il nous apprend la technique de courir sur les murs. Donc j'avais pas pensé à ça, mais voilà. J'ai dû faire une coupure. Tu vois ce câble ? Je m'en charge. On va faire ça. Il y a une porte, on va aller voir. On ramasse. Oui, parce qu'il y aura encore la personnalisation, hein, du robot, du personnage, de tout le monde. S'il y a le câble là, j'imagine qu'il faut le prendre. Tayo. Cette fois, on peut glisser. J'essaie de regarder en même temps s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Hein. Des larvins en bas. On ne peut pas les éviter. Alors, on va forcer le passage. C'est quand tu veux, Kestis. Bon, on y va, mon pote. Tu l'as trouvé, mais malheureusement. Attends, pas le temps de bouger. Hop. On peut appeler l'ascenseur avec ce terminal. Je m'en charge. Les soldats arrivent. On va les prendre par surprise. Bien sûr. À ton signal. Maintenant. Ok, on peut lui demander d'attaquer, ça c'est cool. Ce double sabre, c'est vraiment cool. Oui, toi aussi. Je parle pas le binaire, mais je comprends, BD. On est une équipe. Essayons ce chemin. Arrête de lire dans mes pensées, Jedi. Hé hé! Allez, on y va.
Hop là. On va scanner ça, vous devez entendre le bruit dans le haut-parleur de la manette. Là, je vais en profiter pour méditer. J'ai pas de points. Mais par contre... on peut faire quoi? Ah d'accord, ok. Ouais, parce qu'après on aura sûrement encore d'autres... d'autres postures. Allez, on y va. Ouais. Allons retrouver l'équipage. Mais attends, parce que là, il y a des... En ce moment, le simple fait de sortir, c'est déjà chercher des ennuis. Oh là là, je viens de me faire peur tout seul, là. Il faut aller un peu... un peu pas doué, le gars, quand même, hein. Évitons cette patrouille. Je suis d'accord. Oh, faut qu'on les évite maintenant. On serait que hésiter beaucoup. On a de la compagnie. Oh merde. Il m'a pété à la gueule le truc. Il est finito. Des fois, je me fais peur tout seul, hein. Je me fous la pression pour rien. Hop. On tombe dessus, je fais pas le con. Eh merde. Bon, je sais pas ce que j'ai débloqué là, mais... Hop. Voilà où tu vas reprendre ta bastos. C'est bon. Ça pique, hein, j'ai plus beaucoup de vie déjà. Faut faire plus attention que ce que je fais moi. T'es prêt à t'y remettre, Castis ? Oh putain ! Vite, vite, vite ! Voilà, tu vas dégager direct. Fais chier cette merde là. J'aurais jamais dû t'en prendre à nous. Je crois que BD veut que tu la bouges. Alors maintenant je dois obéir à un droïde. Non. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ça, il y a des mécaniques qui sont assez logiques et tout quand même. Dans l'ensemble, après, il y a des fois où c'est moi qui suis un petit peu con et surtout un peu fatigué.
Chaque fois, je me fais peur. Hein. C'est un peu juste. Hein. Ça fait combien de temps? J'espère que ça enregistre bien la voix. Pas longtemps. J'ai juste fait quelques missions. On dirait que tu l'as impressionné. Ce qui n'est pas facile. Je suis doué pour ce que je fais. Je pose pas de questions qui fâchent. En général, ça vaut pas mal. C'est là direct ou pas? Ah non, c'est à côté là. Oh merde! Oh mais accroche-toi! Putain, pourquoi il a lâché? C'était là. On devrait pouvoir utiliser cette grue pour traverser le pont. On utilise les outils de l'Empire contre eux. C'est que faut éviter eux. En même temps, faut éviter les tirs d'à peu près tout le monde. Désolé, quand on joue avec moi, faut savoir que les dés sont pipés. C'est un raccourci, d'accord. Oh merde! Ben non! Pas lui! Putain, mais j'ai appuyé! Bordel de merde! Attention de fuir, mon pote. Ce type t'aimait vraiment pas. Je crois pas qu'il t'aimait beaucoup non plus. Je vois pas comment monter. On va jeter un œil. Trouver quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Un câble d'ascension. Les ouvriers s'en servent pour la construction. Tu peux le réparer? Il est un peu abîmé. Plutôt en bon état. Ça devrait pas prendre trop de temps. À ce qu'on dit, t'as combattu l'Empire sur Kashyyyk? Ouais. T'as piraté un marcheur et forcé un camp de prisonniers impérial à toi tout seul. Ça, c'était BD. Ouais, mon pote. Rien que vous deux? Et quelques amis. Toi, le nouveau? T'es là pour les crédits, j'imagine? Il aime les crédits, c'est sûr. Ouais. J'ai une fille. Kata. Je la vois pas aussi souvent que je voudrais, mais au moins, je peux la nourrir. Ça doit être dur, d'être loin d'elle. Sa mère est... Non, elle est partie. L'Empire nous l'a enlevée. Désolé. Ils ont pris beaucoup de gens. Beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop, ouais. Tu sais t'en servir?
Je vais m'en sortir. J'étais faire ailleurs sur Braca. T'as pas chômé pour quelqu'un de si jeune. J'essaie seulement de survivre. Comme nous tous. Donc on va avoir un grappin normalement. Le câble d'ascension tient. Voilà. Ça c'est plutôt cool. Ça va quand même bien nous aider. On peut se servir de ce terminal pour faire pivoter le panneau. C'était pas si dur. J'espère que l'équipage va bien. Si Gabs s'ennuie, elle risque de pirater les radios des Impériaux juste pour s'amuser. Elle est si douée que ça. Elle était douée, bien entraînée. Mais elle s'était mise ses employeurs à dos. Ah, bravo, pilote de la République. Un ex-militaire. Je comprends mieux. Quand t'as commencé à bosser avec Kubelis ? Une cantina sur Norcid. Un chasseur de primes m'avait pris de vitesse. Des jumeaux l'ont jeté dans un puits de mine. Lui, c'est des amis. Alors, on va juste faire un truc. La force est avec moi. On va méditer parce que j'ai des points de compétence. J'en ai un en tout cas. Augmente le niveau de santé maximum. Ouais, ça c'est important ça. Parce que on prend cher quand même. Il va y avoir beaucoup de choses. Retour. Et on va se reposer. C'est bon pour moi. Faut qu'on retourne au pont. Super équipe, Kestis. J'espère que je fais ma part. Tu nous as conduits jusqu'au sénateur. J'ai l'impression qu'il veut doubler ma part. C'est bien ça, BD ? Hop là, c'est pas mal ce petit grappin. Ouh, j'ai eu chaud. Gal, content de te voir. Salut, bravo. Aucune mission ne se déroule jamais comme prévu, hein. C'est pas marrant sinon. Comment va la nouvelle recrue? Il parle un peu trop, mais il est pas mal en combat. Ça me va. Gal, t'as piraté le yacht. Le sénateur ne peut pas appeler grand fort, mais c'est bien barricadé. T'as essayé de toquer? Ah ouais, le con. Bien sûr qu'il s'est barricadé. Il est pas fou, hein. Aucun signe de Cal? Bâtisseur! Je venais de parier avec les jumeaux que le sénateur t'avait fait empailler. Eh, je veux ma part. Eh, Cal, si tu meurs, c'est moi qui récupère le mantis. Désolé, Gabs, ça dépend pas de moi. Alors, c'est quoi le plan? Bon, ça va être une grosse vidéo, hein, malgré les cuts et tout. C'est un scénar amphibial. Le sénateur y garde des secrets militaires sur son terminal privé. Ça nous donne une chance contre l'Empire. Et j'espère que le son a bien marché. C'est que la cabine est protégée par un sas. Même les jumeaux ne pourraient pas l'ouvrir. Comment on va faire, alors? Vous faites descendre le yacht jetpack. Puis, place à ma magie de pirate. Avec mon charmant assistant. Je vais nous chercher un taxi. J'en reviens tout de suite. Allez, c'est parti. Et c'est parti. On va y aller. Là, on va peut-être pas continuer encore pendant... Bien wesh les gars. Merci les jumeaux. Bon, j'ai pas été très sympa, j'ai dit qu'ils avaient des têtes de bulldog. Ouais. La prochaine fois,
que finalement, c'est nos poteaux. Mais je me doutais qu'il y avait un truc quand même. Hey, Kat, ça se passe bien ? Je profite juste de la vue. Tu vas chercher quoi ? Le tuyau autour du yacht. Ça va demander un sacré tour de passe-passe. Un tour de passe-passe, Jedi. Je pense pouvoir m'en occuper. Hop, on monte. Gentiment. Et yeah. Oui, Gabs m'a donné l'info. D'accord. C'est bon pour le premier tuyau, Gabs. Tu peux dire aux jumeaux de descendre le yacht ? Il vaut mieux parce que là, sinon, tu te casses la gueule. Hop, on va sauter là. Bon, il n'y a pas de... Ils sont balèzes quand même, les jumeaux, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà, il y a des fois... c'est un peu... D'accord, on pouvait s'accrocher là-dessus, j'avais un doute. On y va ou quoi ? Allons faire un petit coucou au sénateur. Qu'est-ce que c'est ? Salut mon pote. Je savais qu'on n'en avait pas terminé. Donnez-nous le code du terminal. Impossible. Ils m'exécuteront. Je peux aller aussi, mon gars. Vous allez me donner accès à votre terminal. Je ne peux pas. Faites-nous confiance. Nous sommes vos alliés. Déverrouillez-le. Nous sommes des alliés. Je vous fais confiance. Je vais déverrouiller le terminal. Eh oui, mon pote, tu vas le faire. Gentiment, calmement. Et tu vas pas nous emmerder. Si il bouge, allume-le. Avec plaisir. Allez, BD. Voyons ce qu'on a là. Ils sont partout. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on espérait. Reste concentré. Il t'a dit s'il bouge, nique-le. Combat. Mais rien de ce qu'on a fait ne les a freinés. À quoi t'attendais-tu ? Tu as perdu. La République n'est plus... Elle a été tuée par des politiciens comme vous. Crois-tu vraiment que je voulais qu'Utapao rejoigne l'Empire ? Les compromis auxquels j'ai consenti ont garanti l'avenir de mon peuple. J'y suis allé sur Utapao. Là-bas, tout le monde vous méprise. Au moins, ils sont en vie. Pourquoi se battre quand la victoire est impossible ? La reddition a un goût amer au début, Cal. Mais il s'adoucit avec le temps. Libère-moi, et je te proposerai un marché. Non, sénateur. Eh non, il n'y aura pas de marché, mon pote.
Un jour, quand vos enfants verront ça, ils sauront que les Jedi se sont battus pour eux. Quelle terrifiante naïveté. Hé hey, les jumeaux ont les yeux qui scintillent. Finissons-en avant de nous retrouver avec un nouvel incident de Carida sur les bras. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il vient avec nous. Vous entendez ça? On prend à emporter. Bon, on va s'arrêter là-dessus, hein. Ça fait une grosse vidéo. On va le faire sortir. Je pense qu'il va falloir se battre, j'imagine. Il va peut-être pas sortir comme ça. Vous avez rendez-vous avec Sogevera. Il me tuera. Non, j'en suis pas si sûr. Je vais prendre votre coopération. C'est un talent apprécié par les sénateurs, non? La coopération. On a ce qu'il nous faut? Oui. Je me demande ce que So nous a préparé après ça. D'abord, il faut transmettre ses infos. Otissa! Otissa! Kunta! Ok, bon. Ça t'embête si je fouille un peu dans le terminal de Sejan? Le sénateur a peut-être d'autres trucs qui pourraient nous être utiles. Tu veux dire des informations que tu pourrais revendre pour te faire quelques crédits? On peut se battre pour la bonne cause et pour sa pomme en même temps, Cal. C'est ça la guerre. Peut-être un autre jour. Ouais. Dak, mais tu nous offres le repas. Et les jumeaux meurent de faim. On se voit plus tard. On va avoir un petit comité d'accueil, c'est obligé. On devrait toujours cibler l'Empire. Ouais, on agit pour une bonne cause. Non, ils sont blindés, c'est surtout ça. Les autres ont presque l'air fauchés à côté. Je parie que ce sénateur a encore plus de... Ah, c'était sûr, hein. Pourquoi un tel retard pendant que vous chassiez des chimères? Hop. Ils sont visiblement pas là pour te sauver, mon bot. Vous étiez en train de cacher un traître. Kestis. C'est... ouais. Attention. Oh merde. Bon, on va s'arrêter là quand même. Hein. On doit rejoindre le Mantis. On va s'arrêter là-dessus, parce que ça fait déjà long. On va pas aller plus loin dans cette vidéo, donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.